Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est encore à Ubud. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, les vlogs précédents, je vous laisse cliquer par ici, par là, vous trouverez. Voilà, nous, le programme de la journée aujourd'hui, c'est qu'on rejoint notre driver d'ici quelques minutes. Et ensuite, il va nous emmener. Alors, le but, c'est de. Je crois qu'il a prévu de nous emmener déjà chez lui pour prendre un thé, café, etc. Nous montrer sa maison. C'est un petit peu la tradition là-bas, apparemment avec les chauffeurs. Ensuite, on va visiter Pouradessa, c'est un temple qui est pas très loin d'ici. Les rizières aussi. Il y a quoi d'autre? Il y a le temple Rock, alors ça je sais plus trop. Kunumkawi, je crois. Et je crois que c'est tout. Je crois. On va faire une cascade aussi. Ça, on va vous emmener voir tout ça. Ça va être merveilleux. Suivez-nous. Mais par contre, on commence avec le petit déj comme d'habitude. Allez, c'est parti. Là, on est au Pouradessa. C'est un ensemble de temples vraiment très sympa. Il fait hyper chaud encore, ça fait du bien. Et l'entrée en fait est une sorte de donation à 10 000 roupies par personne. Donc on a payé 20 000. Et voilà, c'est vrai que c'est quand même très 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 beau. Et les petits vêtements là. Les sarongs, c'est sarong, hein? Ouais. Et les petits vêtements là, les sarongs sont obligatoires. On n'a pas du tout chaud. Du coup, c'est bien. On n'a pas du tout chaud, non. Et en fait, c'est obligatoire. Si vous en avez pas, le chauffeur vous en a prêté. Il en prend à chaque fois dans sa voiture au cas où pour ses clients. Donc, ça, c'est top. Et en plus, il nous les a mis lui-même. Du coup, on a grave le soir à gamme. On a du soir, là.
Maintenant on est au Blengsinga Waterfall. Elle est énorme. C'est super beau, ça fait du bien. Là, on se prend un petit peu de floc dans la tronche. Ça nous rafraîchit parce qu'il doit faire 30-35 degrés là. Ça nous fait du bien là. Et du coup on a payé 10 000 roupies par personne. Et franchement ça vaut le coup. Pensez à prendre vos maillots de bain. Ça vous fait du bien. On est arrivé du coup avant dernière étape au Kunung Kawi. C'est un temple avec une vue de fou au milieu des rizières aussi. Vraiment sympa, l'entrée elle a 15 000 roupies par personne. Bon, c'est un petit peu long parce que avant d'arriver au temple, il faut passer par des chemins. Il y a plein de petits magasins. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Bon, depuis tout à l'heure on est en train de descendre toutes les marches, on n'est toujours pas arrivé au temple. Autant vous dire qu'on va en chier pour remonter tout à l'heure. En plus, il doit faire au moins 8000 degrés là. Et il doit y avoir l'équivalent de la tour Eiffel à monter à Yap après. Ça fait plaisir. Mais bon, ok, j'arrête de me plaindre parce que en vrai c'est vachement beau et ça vaut vraiment le coup quoi. Je pense que ça se voit, on est déjà au bout de notre vie. Donc on a décidé de faire un petit arrêt. Petit arrêt coconut. Il y a une coconut. Bon, ça y est, on a enfin réussi à remonter toutes les marches. Je suis pas du tout fatigué. Et du coup, la dernière étape, c'est d'aller au Talagalan. T'es comment? Ouais, voilà. Et puis maintenant, on va essayer de manger là-bas. Sinon, on mangera du côté de l'hôtel. Et après, on va aller se reposer à la piscine. Parce que la charpe de la piscine, là, le que vous voyez là, c'est toute mon âme, là. Tout, j'ai tout mis là sur ma peau, là. Super, excellent. Et puis voilà, après, on va aller chercher un scout. On va aller se balader, mais avant piscine. Piscine direct. Ah.
ça creuse. C'est ça, c'est pas fait respecter. Hein. Il doit y avoir, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 frites. Et il y a un truc, je crois que tout Ubud, tout Bali est passé dessus en bagnole, sur son sandwich. Contente? Happy? Ok, nickel. Ah, ça fait plaisir. Après c'est bien rempli de la France avec CC. On va aller donc au terrain, j'arrive jamais à le dire. Et là, Tegalalang. Et voilà, on va vous montrer tout ça, c'est magnifique. Bon, fallait s'en douter, on n'est pas tout seul. Hein. Et il y a des petits péages quelquefois où ils demandent des donations. Et il y en a un petit peu partout dedans, donc c'est vrai que ça enlève un petit peu du charme. Il y a des boutiques un peu partout aussi, c'est hyper touristique, mais bon, on y est, donc c'est un peu dommage, ça dénature un petit peu, mais limite les terrasses où on a mangé tout à l'heure, elles étaient un petit peu, il y avait un peu moins de monde. Et là, c'est vrai que celles-ci, elles sont réputées et je crois, si je dis pas de bêtises, elles sont classées au patrimoine de l'UNESCO. Et forcément, bah, ça fait venir du monde. On vient encore de se faire raquette. On a plus de sous. On a fini notre petite journée avec le driver, c'était vraiment top. Je sais plus si j'avais parlé du tarif. En gros, pour la journée, on en a eu pour 550 000. Et on lui a filé 50 000 roupies de pourboire. Donc en gros, ça va faire un truc à 40-45 euros grand max pour toute la journée. Je pense qu'on peut trouver un peu moins cher, mais voilà, c'était vraiment top. Au moins, il s'occupe de tout. Et voilà, on a un peu KO, on a marché pas mal, comme vous avez dû le voir, de marche sous un cagnard, c'était assez sympa. Donc là, on est allé changer, on est allé se laver, on a été à la piscine quand même un petit peu avant. Et on est en train d'attendre nos petits repas, je suis avec CC et je m'hydrate, c'est important. On est au melting pot, c'est hyper sympa, on a un melting pot. Melting Walk, pardon. Et voilà quoi. On se repose, on a pris un scoot. Ça y est, on a passé l'étape du scoot. J'ai bien galéré. Et on va voir pour le retour là, après la bière. Mais bon, on verra. Ça nous a coûté 120 pour les deux jours. 120 000 roupies pour les deux jours. Donc ça fait 8 euros. Donc c'est top quoi, c'est vraiment pas cher. On va vous montrer ce qu'on va manger, apparemment c'est vraiment pas mal du tout. La petite carte est réduite, enfin la carte est réduite, mais pour le coup ça a l'air vraiment sympa, on va voir. Et pour terminer cette belle journée, en fait le resto où on était là il était full, ils ont réussi du coup à nous avoir une table pendant une heure, on n'a pas eu le temps de prendre un dessert malheureusement, mais c'était super super bon, tout ça pour 201 000 roupies, donc je crois que ça fait genre 14 euros, moi j'ai pris la bière, celle-là elle a pris un... T'as pris quoi toi? Un mojito, par contre le mojito était pas bon. Oui mais bon. En fait si on le considérait pas comme un mojito, c'était bon, vraiment. Voilà. Et voilà, du coup on n'a pas pu prendre un dessert hein. Et on s'est arrêté au Soma Café Ubud, c'est juste à côté.
et ça m'a l'air, enfin c'est déjà hyper hyper beau. Et moi j'ai pris ça, c'est un chocolate vegan. En fait c'est un restaurant raw food, en gros c'est de la cuisine pas cuite si j'ai bien compris. Et il y a cru, il y a cuit aussi. Ouais, il y a les deux. Et le cadre est fou furieux, c'est juste à côté du resto où on était. Et c'est tellement paisible, on est bien, on est assis sur des petites banquettes là. Ils aiment trop ça ici, faire des trucs où tu tends les petites chaussures. Tu te mets à genoux là, enfin à genoux non, mais tu te mets... tu peux te mettre à genoux si t'as envie. Tu te mets en tailleur et puis t'es posé là. Donc franchement pour finir la journée, il n'y avait rien de mieux là. D'ailleurs le mieux c'est que tu peux, là t'as un petit coussin, tu te mets comme ça, les jambes à plat, c'est génial quoi. C'est parfait là, il y a des mecs là qui sont en train de se préparer pour commencer à jouer de la guitare, du saxo et tout, ça va être merveilleux. Allez, sur ce... On vous laisse, on n'a plus le temps là. On n'a plus le time, sur ce, à demain, j'espère que ça vous a plu, si il y a des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas comme d'habitude, un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine, bye bye.